L'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a répondu une fois encore à un appel au secours des populations. Ce parti politique vient de réfectionner et de livrer une passerelle dans le quartier Cité Mebiam à Libreville. Depuis des années, l'état du vieux pont ne permettait plus aux passants de traverser en toute sécurité. Qui est un pont qui lie deux grands quartiers, notamment Cité Mebiam et Abéa. Et aujourd'hui, ce pont était dans un état de délabrement avancé. C'est par là où les enfants qui quittent l'école Cité Mebiam accèdent à leur domicile et ça devenait infernal. Et beaucoup se blessaient parce que les tubes de diamètre 32 avaient déjà pris de la rouille. Et à chaque fois que les enfants venaient, ils faisaient coulisser leurs mains. Et là, ça n'allait pas. Ils se blessaient à tout moment. Pour l'UDIS, la passerelle devra servir à tout le monde, sans exception. Une préoccupation posée par les populations. Donc, on avait dit oui. Mais désormais, c'est chose faite. Je pense qu'en toute saison, on peut maintenant circuler librement et en toute sécurité aussi. Pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos mères, pour nos pères. Et le seul conseil, c'est de dire que ça n'appartient à personne. Ça appartient à tout un chacun. Dans le sens que ce n'est pas parce que c'est l'UDIS, que c'est la majorité présidentielle, que ça n'appartient que à ceux-là qui se revendiquent de ce bord-là. Qu'on soit de l'opposition ou pas, ou de la majorité, c'est un pont qui appartient à une passerelle que tout le monde devra utiliser parce que nous sommes d'abord une personne. Donc c'est vrai que c'est venu par vous, le canal, le billet de la cellule de l'UDIS. Mais dans l'usage quotidien, il va falloir élargir la tournée. En temps de pluie, cette zone marécageuse s'inonde et empêchait aux passants de vaquer à leurs occupations.